won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me what is the soul of a man. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 12e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mad Max. Et donc je vous avais laissé la dernière fois, on avait fini une mission secondaire à propos du salpêtre et du soufre. Et il me filait, Jit voulait me filer une nouvelle mission. You really want to put black in the hands of anyone? Anyone who ain't Scrotus. I need you to open a passage into the Dead Barons for me to send caravan to. You get me one of the big fuel trucks out there and we'll pack it with explosives. And it should make a big hole in that wall. You'll be able to feed your shooter and the Dead Barons too. Ah, c'est cool, projet armurerie dans la forteresse de Pinka et Diphria. Du coup, c'est très très cool, mais il nous faut un camion citerne. On en a pas un. D'accord, il faut le récupérer ici ou alors faut aller chercher sur le convoi, parce que le camion citerne c'est pas pareil. Parce qu'il y a un convoi ici, il y en a un convoi là, il y en a un autre ici et un autre là. Mais s'il faut que j'aille le récupérer directement sur l'engin, ça va être compliqué. Bon bah on va voir hein. De toute façon je sais pas pourquoi on dirait qu'il y a plus d'objectif principal. Je vois pas de... En tout cas, j'en vois pas d'objectif principal. Ah, je ne vois pas d'objectif principal de marquer. Ah si. Là-bas. Faut aller là-bas. Ok. J'avais pas fait gaffe, mais faut qu'on aille à Pétroville. Oups. Bon, ça va être compliqué. Ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de faire un petit peu des missions à côté, histoire de s'améliorer un peu. Bah du coup, direction... lui. On va voir si le camion citerne est là-bas, sinon il faut aller... Il faudra aller le récupérer sur un convoi, ce qui m'énerverait un peu. Ok, on va aller chercher ce camion citerne. Ok, je vois le convoi, il est là-bas. D'accord, il faut garder le camion intact. Je vais utiliser le harpon normal. Ah oui, ils sont beaucoup. Ouh, c'est moi qui ai morphé quand même. Il est où? Où qu'il est? C'est toi? Tiens, casse-toi. Ils sont beaucoup et en plus de ça, ils sont blindés. Ok, faut pas le détruire lui. Alors, attendez. Va falloir que je tourne. On tourne. Ok, j'ai le conducteur. Je l'ai eu. Maintenant, restez voiture. Ok. Ah la vache. Oula oula. Ok, c'est passé. J'ai des lanceurs explosifs, faudrait que je fasse gaffe. Je vais lancer derrière. Comment ça j'ai détruit une tour de sniper? Mais d'où ça? J'ai plus rien. Ça crame. Ok, il se casse. Non, il se casse pas. Ok, je vais finir. Ça, c'est fait. Donc, il faut que je ramène le bidule, je crois. Et merde. Évidemment, il faut que je le ramène à la G. Ça va, je suis pas très loin. Le problème, c'est que voilà, une course. Bon, ça devrait aller, je suis vraiment pas loin. Tac, petit indicateur. Bon, le fait une petite course, ça m'énerve un peu. Voilà.
Moi ça c'est fait. En plus ça nous fera un nouveau véhicule à rajouter à la collecte. Il y a plein de véhicules à mettre en collection, c'est un truc de fou. C'est un truc de gros malade. Allez, on y arrive, tranquillou. Comme ça, on aura des armureries sur toutes nos... Ok, on peut aller parler au monsieur. Alors. Jade said to talk to you. Yes, don't worry. I will prep the truck adequately. J'avais pas fait gaffe, mais il est manchot. Il est manchot, ça doit être pas pratique pour préparer des trucs comme ça, hein, des explosifs. Ah ouais, faut aller là-bas, mais là-bas il y a. Donc ici il y a un convoi qui circule, faudra faire vraiment gaffe. Ça va être un peu la loose. Je le sens mal. J'ai 4 balles dans mon flingue. Enfin bref, on va voir ça. Ok, on y arrive bientôt. C'est juste là-bas. D'ailleurs, il y a une décharge pas loin. Non ? On dirait. Oh, ça me fait tellement penser à la bataille du gouffre de Helm avec le trou qu'on va faire exploser. Ils viennent de l'allumer là? Alors, vous êtes gentil, mais pourquoi ne pas avoir fait ça avant de me faire passer par la mâchoire là? C'est quand même beaucoup plus simple. Nickel, du coup on a les projets d'armurerie aux deux autres forteresses. Ce qui est très pratique. On va juste voir ce que ça donne. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se rééquiper avec des balles sur toutes les fortos. Ce qui sera un peu génial. Alors, il est où? Projet armurerie. Donc, c'est les projets en bleu, sauf que là-bas c'est la ferraille, c'est pas ça qu'on veut. Où est le projet armurerie? Pas ici. Ok, qui était là-haut. Alors il faut savoir que dans la partie 100%, enfin la partie où je veux faire le 100%, elle est pas encore. J'en suis pas du tout encore à ce stade-là. J'ai presque fini d'améliorer au maximum la forteresse de Jit et j'ai presque fini de mettre à zéro là, le niveau de dangerosité de la zone de Jit. Et c'est long. Je suis même pas encore arrivé à la forteresse de Gudgash. Ok. Ok, donc là on est prêt. Il faudrait... faut construire jusqu'au camp là-bas. Il faudrait vraiment qu'on essaye d'aller là-bas. Mais je sens, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être très 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 compliqué. Ah, c'est un territoire à lui tout seul ici. Oh là 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 là. Je sens que ça va être horrible. On pourrait essayer de faire une reconnaissance. Ça coûte rien d'essayer. Bon, on va se faire défoncer, je le sens mal, mais c'est pas grave. On peut toujours essayer. Où est ma voiture? Elle est là. Elle est pas là. Elle est où? Elle est là-bas. Allez, on va essayer d'aller jusque là-bas. Et on va en profiter pour regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Allez, on est parti. Ok, déjà je me fais choper par des fauches morts qui sont protégés à 1 et 2 niveaux. Autant vous dire que moi, avec ma petite... avec mon petit niveau 0 de protection, c'est un peu la loose. D'ailleurs, j'ai vu un truc. Quand je regardais les commandes, on peut passer à première personne. Et ça claque. Oula, je me suis un peu planté de côté. Demi-tour. Sans tout casser, s'il vous plaît. On va passer par là.
plutôt que par l'itinéraire de convoi au risque de tomber sur un convoi. On peut le choper ? Harpon niveau 6 requis. Tu m'étonnes. Il y a le convoi là-bas. On le voit, la fumée qui dégage. D'ailleurs, ça fait ramer mon PC. Ah oui, mais... Oula, dans le tremplin bof. On va aller voir là-bas. C'est une route. C'est assez spécial de rouler enfin sur une vraie route. Enfin, vraie. Que c'est du goudron. Alors, ils m'ont vu. Pas un problème. Oh oh, passé niveau 4. On va bientôt y arriver. On va bientôt arriver, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça a l'air d'être là-bas. Ok, tunnel. On y est. On y est. Alors, la petite pause. Aïe. Toi, le sniper, voilà. Wow, wow, wow. Ah oui, d'accord. Ça m'a l'air d'être des adversaires un peu de taille. Je suis pas du tout taillé pour. Je peux pas le toucher? Ah, vous êtes pas drôle. On va essayer d'avancer quand même, hein. Ça m'étonnerait qu'on puisse y arriver, mais... Ah! Ils envoient des... Des indicateurs, oh là là. Je sais pas trop ce que c'est, on va continuer d'avancer, hein. Vous savez quoi? On va pusher, on va bourrer. Allez, on va voir ce que ça donne. Il y a plein de snipers partout. En plus, c'est même pas des... des camps. Non, non, c'est juste des décharges. Oula, on arrive à Petroville. Nous y sommes. Wow, wow, wow. Ok, on est chez Scrotus. Normal. Stay put. I'm gonna look around. C'est toi l'outcryer? Fresh meat for the grinder. Straight from the unforgiving wastes. I want to join the races. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome. You work the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it, make champion. Then maybe I can start grooming you for a shot in the races. No time, Jawbone. I need to join the races now. Okay. Maybe we can find a spot for a man of your temperament. Yeah. In return for a favor. A very dangerous, possibly suicidal favor. Huh? You see? See these? These are lights. But they fade. And when they fade, I fade with them. But if a man, a very desperate man, were to fetch me some new ones,
Follow me, Wastelander? You want new bulbs? I want new ladies! Yeah! I want a lot of them! I asked them all! The gangbangers, the torpedoes, the noosemen, but no one would help me! You know why? Because they don't have the stones for Buzzard Country. Tell me exactly where they are. You follow this, and you'll get to the Underdoom. Bon voyage! J'adore ce mec qui a besoin de lumière. Et je dois aller où? Dans les dunes? Aller à Soudune, ça y est. Il a paru. Ah oui, ouais, ouais, on va aller dans les dunes. Et c'est pas la porte à côté. Il y a quand même une forteau ici, il faudrait peut-être que je m'y attelle aussi. Une forteresse, ça pourrait être pas mal. Enfin bref, j'ai un peu, comment dire, coupé dans l'art le jeu, là, j'ai l'impression. Je me suis pas attaqué à aucun des camps. Si, on en a fait un. Voilà, on n'en a pas fait plus. Il faudrait qu'on fasse énormément de choses. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'aller à Soudune plutôt d'abord? Auquel cas, je passerai plutôt par Pinkai. À moins qu'il n'y ait pas de passage. Je pense que si, il doit y avoir un passage. À passer par Pinkai, ce sera quand même mieux. En tout cas, c'est chaud. C'est clairement pas un coin où je suis censé traîner avec une archange de niveau 1. Il faudrait. Hop, on passe au garage. D'ailleurs, j'ai débloqué de nouvelles choses. Oh, des jolis petits pots d'échappement. Vitesse de pointe par défaut augmentée 60%. Ok. 300. Du coup, c'est pas mal. Ça va clairement plus vite. Adhérence sur l'asphalte. C'est pas mal. Bon, par contre, j'ai plus de sous, c'est pas grave. Quelques ornements, voilà. Donc, les archanges. Ah, j'ai que 3 pièces marquantes pour celle-là. Manquante. Oula, ça, c'est une grosse défense, très peu d'attaque. Après, voilà, il faut trouver les différentes carrosseries qu'il y a dans le jeu. Elles sont dans les décharges, hein. Il faut juste regarder où est-ce qu'elles sont, et puis c'est tout. Il faut les trouver. Il faut les trouver. Allez, on y va, on va essayer d'aller à Soudune. Je dis bien essayer, on va voir ce que ça va donner. Et ouais, c'est long. C'est extrêmement long, du coup, je vais couper un petit peu. Attendez, est-ce qu'on peut pas accélérer un peu la chose? Si, on va passer au... au point là. Et ça va être long comme trajet, du coup je vais bien évidemment le couper, hein, parce que sinon ça va être très très long. Ok, on se retrouve une fois que je serai arrivé à Soudune ou que je trouve quelque chose d'intéressant. Allez, à tout de suite. Ok, on y arrive bientôt, mais je voulais aussi vous montrer un petit peu les dunes, à quel point c'est magnifique quand même. Oula, je vole un peu. C'est quand même magnifique. C'est très très beau, bah, ça fait Sahara. Et en plus de ça, on arrive bientôt, voilà. Bon, par contre, c'est indiqué de pas trop sortir de la route, parce que sinon, on se paume. Je veux bien les croire. Il y a quand même des sacrées dunes. Ben, il y a une ancienne... je suppose que c'est... Attendez. J'allais dire que ça ressemblait à la tour de Seattle, mais non. Ah, ça me dit quelque chose, ces bâtiments. Ok, ça va être la grosse galère, étant donné que c'est quand même la... C'est quand même le labyrinthe des vautours, donc on va voir ce que ça va donner, hein. Ah, c'est un aéroport. Focus, we're here for the bulbs. Descends jusqu'en bas. Ok. Je suppose qu'on peut pas y aller autrement qu'à pied. On va y aller à pied. Je le sens très très mal. Y a pas de bruit. Tout ça, je suis au casque.
Je suis une grosse lopette en ce qui concerne les jeux d'horreur. Ah non, il faut y aller avec la Magnum Opus. Ok. Ok, j'ai pas envie de mourir bêtement en sortant de la mission, du coup, on y va avec la Magnum Opus. Je pensais pas, tiens. No turning back. Oh, what crouching horrors await us in that gloom. Keep your eyes open and your voice down. Ok. No, no, this is not right, ain't right, it ain't right to bring the Magnum Opus into this wicked hole. Oh, this will surely be our grave. Hungry buzzards and their grim traps. Aïe. Be wary. D'accord, ne pas toucher ces trucs là, ça fait mal. Voilà, conduite en finesse là. Aïe, j'ai dit quoi? En finesse. On va réparer un petit peu d'abord. Tiens, répare-moi ça. Essaye de remonter au moins à midlife. Voilà. Parce que sinon, je sens qu'on va pas y arriver. Ça suffira. Je peux passer par là? Oh oui, je peux passer par là. C'est pas pratique comme déplacement ici. Attention. Voilà. On va faire un petit tour. Voilà, vache. Heureusement que la Magnum EP c'est maniable. On va laisser exploser. C'est gentil. Ah. If we cannot lower that bridge, we will go no further. I'll do it. Stay here. Oh, que j'aime pas. I feel their red eyes upon us. Upon her. Why don't they attack? Oh, que c'est flippant. Ceinture de munitions pleine. Ah bon. Let's get out of here then. Oh, que c'est flippant. Il y a une route? Ah oui, il y a une route. Ok, l'aéroport était quand même très très grand. Oh, these murky hollows and holes. They were once filled with older worldly goods and treasure. Now empty. We go deeper. Until we find what we came for. Whoa. C'était quoi ce truc? Une immense statue. On entend des bruits un peu partout. Ah! Ils doivent être juste sous nous. Bouh! Ah vache, c'est un jeu qui compte beaucoup sur l'ambiance. Et effectivement, ça compte beaucoup. Oh, c'est super grand.
Je sais que les aéroports, ça peut être très grand, mais quand même. Ah non, c'est pas par là. Heureusement que j'ai des bonnes suspensions. Ok, là faut que je quitte la voiture, faut que je retourne à pied. Je vois rien. Ok, là ça va chier. Bon, l'épisode va être un peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. Ah d'accord, la lampe torche. Effectivement, ça peut aider. Et la ferraille. Ah oui, on est dans une décharge en plus ici. T'as les mecs, vous étiez obligés de mettre une décharge ici. Ça veut dire qu'il faut y revenir si on n'oublie pas. Enfin, si on oublie des trucs. Et qu'on veut faire le 100%, évidemment, comme moi. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie d'y revenir. Alors, ça, c'est une affiche. Alors, par où on passe? Dans l'avion, carrément? Oh, ce bruit, c'est trop flippant. C'est trop flippant. Canteen full and a weapon ready. Ouais, des bruits bien stressants. Je suis pas fan. Where are you running? Ah, c'est ça, où est-ce que tu cours? Ok, des charges explorées, c'est cool. Oh. Je flippe. Non, merde, c'est des mannequins. Bande d'abrutis, pourquoi vous avez fait ça? Avec le gros bruit là, qui arrive. Ils vont tomber dessus. Grab the bulbs and get out. Ils vont me tomber dessus. That should be enough for Twinkle Toes. C'est bien ce que je me disais. Bon, ok, ça va. Je préfère les embuscades où au moins on sait qu'on est embusqué. Wow, c'était juste. Il y en a un qui a essayé de la jouer. Tortue Ninja. Aïe. Ah, aïe. Ah mais il continue d'arriver. En plus, il y en a qui sont équipés.
Aïe. Ah. Ok, c'est dur. Je sais pas où est-ce qu'on va reprendre, du coup. D'accord, on reprend là. Va falloir gérer le truc, je peux m'en sortir, sinon l'épisode va mettre 50 ans. Aïe. Ah. Zut, j'ai pas, c'était pas sur ça que je voulais appuyer. Voilà. Wow. Allez. Oui. Allez, si. Allez, on se casse. Oh, ok, on se casse. En plus, on voit qu'il y a des véhicules. Normal, des véhicules là comme ça. Bon, ok, on va les faire exploser. Wow, wow, wow. Je suis mal placé. Je me pars. Ah, c'est pas pratique, en plus c'est tournant. Ok, désolé les mecs. Hein. Oula. Je l'ai bouffé. Allez, go. Évidemment, le retour de la vengeance. Ah. Plein d'explosifs partout. Allez, je me casse. J'ai plus des masses de vie. La grosse galère. We're close. We're making it.
Allez, on y est. On y est, on y est. Tac. Ok, d'accord. Ceci était pas classe du tout. D'accord, et du coup, ils explosaient derrière tout seuls. Normal. Ça aussi, c'était pas classe. Ça, ça l'était encore moins. Et oh, où est-ce que j'ai appris à conduire ? On a réussi. Bon, et ben je propose qu'on arrête là l'épisode parce que c'était vraiment intense, à la fois pour moi et j'espère aussi pour vous. C'était vraiment intense, un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude. C'est bon, l'épisode de la dernière fois était un peu court, du coup voilà, ça compense on va dire. Et c'était hard mais super sympa. Franchement c'est super cool. Bon, et ben je vous propose qu'on arrête là l'épisode. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, à commenter la vidéo, à la partager aussi cette vidéo, et puis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!